Bonjour et bienvenue sur, comme d'habitude, Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Bomber Crew. Dans cet épisode, on va essayer de sauver quelqu'un et affronter un as allemand. Ça va mal tourner. Ça va mal tourner. Ça va très mal tourner. C'est parti. Là, c'est sûr, on fait du mort aujourd'hui. On partira assez tranquillement. Pas pressé. Félix Feder, là. D'accord. C'est pas une très bonne nouvelle. Normalement, pour cette mission, on a largement assez de carburant. J'exploite tous mes canons normalement. Il n'y a plus qu'à attendre que ça se passe très mal. On va tourner autour de lui. Oh! Bah ça s'est incroyablement bien passé. Retour de recharger. En bas on a quoi? On a de la munition infinie, très bien. Right. Il y a quelque chose à voir sur la côte? Visiblement non. Radar s'il te plaît. Très au-dessus de ma tête. Les portes. Et on va se préparer à refaire un passage. Ok, très bien, l'avion était abattu. Ça s'est très bien passé. Bon, si toutes les missions se passent comme ça, le mec il se pointe tout seul. Je dis fromage. Hein. Ok, right, tu le mets ici. Hop. Ah, mince, je suis sorti. Plutôt. Retour base là, tout de suite comme ça. Je suis étonné. Ah. Voilà. J'y croyais pas trop, ces conneries. Photo, le petit clic-clac et on s'en va. Hein. Et donc, moi je veux bien que toutes les missions d'A ça se passe comme ça. Hein. Bon, faut avouer, jusqu'ici j'avais jamais mis de canon de vin. Le canon de vin, il fait tellement le café ce petit canon de vin que ça veut plus rien dire en fait. Tu roules sur tout et sur tout le monde quoi. Il y a du pigeon qui arrive droit derrière. C'est pour toi, Bert. C'est pas pour toi, visiblement, Bert. Ce sera pour une fois prochaine, Bert. Sache qu'on t'aime beaucoup. Juste recharge. L'autre, il roule tellement sur tout le monde, ça veut plus rien dire avec son canon, là. Ouais, presque je me mette ça aussi en dessous, hein, du coup. Hein, tellement c'est proche en munitions. Ça vaut le coup. Eh bien, écoutez, c'était une belle journée.
pousser un peu, hein. Ah, c'est au niveau 8 pour voir les étoiles. Petit tour de radio. Ouais, musique de combat, on a fini là. Là, on tourne de beurre, hein, les mecs. On est chez nous, hein. C'est fini, hein. On peut nous faire croire qu'il y a encore des combats, hein. On ne croira jamais. Survolons Londres. Hein, c'est pas ça? Et ben c'est très bien. Pas un seul bobo au doigt. Et bien le gros reporter est venu tranquille à la maison. On a sauvé un de nos as et on a battu un as. Tranquillement. Alors très tranquillement. C'est inadmissible d'ailleurs que ça se passe aussi simplement. Je suis étonné. Moi qui ai toujours des problèmes monstrueux avec ces gens-là. Des gens extrêmement désagréables d'ailleurs. Paf, un peu de pognon. Paf, 3000 pour Félix. Félix Feller. Tac, 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 tac. Et secourisme avancé, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bravo la troupe. C'est beau. C'est beau ce que vous faites. C'est très beau ce que vous faites. Moteur. Passons à une 4-3. C'est pas obligatoire. Beaucoup de poutre, hein. Ça poutre très fort. Poutre très fort toutes ces histoires. Poutre très fort toutes ces histoires. C'est extrêmement tentant. 219 dégâts, c'est quand même. Voilà. Donc c'est une toile qui est censée servir certes qu'à l'occasion, mais qui quand on s'en sert doit être complètement présente. Ça devient très intéressant. Par contre celle de queue, voilà, si elle pouvait basculer, paf. Ah, on est en surpoids. Il me faut un deuxième moteur MK3. Tourelle. Puis en bande de munitions. Et la frontale. Voilà, c'est passé, c'est passé. Le blindage qui a complètement été délaissé dans cette histoire. Mais alors par contre, on vient de se gaver une usine. Ou après, c'est quoi les autres histoires là? Ouais, sur les usines de munitions de canon. Pour les dégâts de flak, c'est ça? Dégâts de flak. D'accord. Bien. Paris. Blindage des ennemis réduit. J'ai pas envie de prendre de risques. On va se prendre une mission simple. Non à la prise de risque. Faisons des choses simples. Qui certes rapporte pas beaucoup, mais qui évite des grosses prises de risque. C'est une mission bombardement, je crois. Hein. Exactement. Tac. Tac. Une seule usine à sortir. Très bien. C'était bien. Allez. Très bien.
mettre un peu de musique. Ça détend pendant qu'on prend des photos. Ah, adjust n'a plus de munitions, recharge. C'est quand même. C'est bien. Allez, très content. Pilote qui reçoit des soins, visiblement. Ah oui, parce que Cartman était aussi médecin. Concentration prête, ça fait plaisir. Radio, hein, tant qu'à faire. Pas de nouveaux renseignements, ok, ça ajuste la trajectoire. Il me tire dessus, je peux pas aller l'embêter là. Ça me plaisait bien. Ok. On a fait un crochet là, non? Non, ça va, en fait. C'est juste moi, c'est moi qui l'ai berlu. Excuse-moi, Scott. Monsieur Scott, s'il vous plaît. Non mais toujours pas, on va toujours pas à Londres, hein. Barton il veut trop aller visiter s'il vous plaît. Je suis jamais allé. Mais ouais, mais non. Juste mais non. Et le crew reporter est de retour. Encore quelques heures, rassurez-vous, ça va, ça va, ça va. Il y a quand même quelques-uns qu'on. Il y en a un surtout qui a quand même pas mal voulu faire en vrai. Et c'est magnifique. Ça s'est déroulé tout seul. Paf. Tac, 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 tac. Nouvelle compétence, marquage auto, ouais, super, marquage auto. C'est cool. Et on quitte le compte rendu. Très bien. Avion. Avion, pas de nouvelles choses. Pas de nouvelles choses, certes, mais. On a une queue en léger MK2. Les ailes, elles sont en quoi? En blindé MK1 et en MK2. On surpasserait ce qui est capable de supporter nos moteurs. Faut que je passe un autre moteur en MK3. Le fuselage du coup, est-ce qu'on peut le mettre sur les ailes, donc en MK3, on a les sous. Ok. Fuselage
d'usage matériel plutôt dans le système. Système un peu plus qui m'intéresse. Ah bon, on a 155, on n'a plus rien. Voilà. C'était très bien. On va au briefing. Mission suivante. Bah une chasse au sous-marin. Sinon après c'est quoi l'histoire avec les autres? C'est qu'il y a un, ouais, il y a un pilote dans l'histoire. Début de la mission. Ça en rouge j'évite. Hein. Des fois que déjà que des fois en bleu il suffit que tu te prennes tout dans la bouche en même temps. Je prends pas trop de risques là-dessus. Voilà, ça se passe bien. Ça se passe bien. Il faudra détruire quelques sous-marins, mais ça va bien se passer. Et il pleut en plus. Belle journée britannique, n'est-il pas? Mission de destruction de sous-marins, c'est un peu des missions de l'emmerdement, quelque part. Tirer là, tu vas pas me faire genre. On l'a loupé quoi. Ah, il m'a fait genre, on vient de le louper quoi. Ah, ça s'est planté juste après. Ah, ouais, donc faut tirer juste avant pour être sûr que sur les trois bombes, il y en ait une qui tape dedans quoi. Donc c'est moi qui ai merdé, mais j'ai plus le droit de merder. À savoir, fini, il n'y a plus le droit de merder. On va retirer mon droit de merdage. Thank you.
Ok, on est bon. Bon, il est où ce dernier poussin, okay. Pour l'instant, il tire. Ça, c'est bon. Ça, c'est plutôt bon. Donc, il tire, c'est bon aussi. Booster recharger, mec, je suis occupé. Booster de boutons. Tire, mec. Voilà. Tire et ne bouge pas. C'est bon. C'est nickel. Tu viens ici. Non mais je les veux. Arrêtez de faire ça là. S'ils sont encore là, je les veux. Hein. Clairement. Très clair. S'ils sont là, tu sais te repérer aux étoiles ou toujours pas? Toujours pas. Alors on va se perdre un peu. On va se perdre un peu, on va monter. Je voudrais que toi, Scott. Ah, quoi que. Ouais, je vais chercher les embrouilles pour rien. Ah, non. Non, ils sont encore là. Ils sont encore là, les petits poulets. Parfait, Scott. Scott, t'es à ta place, formidable. Il y a même des gens par là. Des gens là. Formidable. Allez, c'est par là. Je les veux. Là, je prends tout l'XP. Hein. L'XP facile, je suis preneur. Tant que l'XP est facile, je prends. C'est facile, c'est cadeau. Faut en profiter. Faut profiter tout de suite ou maintenant. Pas dans le bon sens, hein. C'est quand même...
comptez bien. Et on rentre au QG. Voilà, on aura un peu gratté. Je sais pas combien on a gratté, 75 par tête. 6 fois 75, c'est pas mal. 5, 30. Attends, je sais plus compter. 42 et 30, 450 XP quoi. C'est bien. Ah, deux dans les terres, petit life. Ok, parfait. Quête alignée, mon petit bonhomme. Carburant par les fenêtres, c'est parti. J'accélère tout le temps, à fond les manettes tout le temps. Ok, formidable. Paf paf, on aime l'argent. On adore le pognon. Merci pour l'argent. Ok. Et bien voilà. On a la livrée du cochon volant, bien sûr. Rose, c'est rose. Voici après il est tout rose. Ok, pas de livret total. Ok, un kit de vol de base. Avancé, kit de blindage lourd. C'est pas tout de suite. Alors qu'on a dû débloquer, voilà, boule de trucs comme la thermique 3, justement. J'en ai un qui a besoin de se déplacer là-dedans. Je pourrais équiper tout le monde, mais ce sera pas forcément une très bonne idée, en vrai. Restez comme ça. Vous êtes bien, les bleusailles. Sachez que c'est bien, ce que vous faites. Nouveau moteur. Ah, le MK3 blindé. Le même moteur, mais en plus blindé. Ok, système. Système électrique 3, c'est pas déconnant. Ouais, c'est pas déconnant. Extincteur 3 serait quand même plus cool. Port d'oxygène 1, ça va très bien. Réservoir MK3, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Un MK2 me suffit largement. Voilà. Ouais, les systèmes. Après, ça va peser plus lourd pour pas grand chose, c'est ça. Hein, ouais, ça va être pédale. Bah, finalement, ouais. On est bon, pas de nouvelles tourelles. Pas la peine de claquer le pognon, ceci dit, forcément, à chaque fois. Après tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mission critique parce que pilote de chasse, évidemment. Dégâts ennemis réduits. Oh oui. Oh oui. Par contre, je comprends pas, il m'a pas filé la mission. Normalement, il aurait dû me la filer juste après la mission de bombarder le barrage, ou alors il estime qu'on a un trop mauvais niveau. Ah oui, il fallait qu'on se fasse la mission secrète, putain, j'ai toujours pas. Je suis un peu bête hein, des fois. Hop, on détruit l'atterrissage, on doit détruire du stock. Ouais, s'il te plaît, mets-toi ici, paf, prépare une bombe. Hop là. Ouais, je suis toujours au-dessus des terres de la couronne là. Qu'est-ce que vous me faites? Mais oui, en mon bouton, hein. Ça y est, j'ai traversé une rivière, les mecs ils ne peuvent plus. On va mettre de la vitesse un peu là. Voilà, très bien. Allez, on va sur cet objectif là. Parfait. Voilà, là tu peux ralentir. Là, il n'y a pas de problème. Thank you.
donc les portes. Paf. Apparemment que ça pète, ce serait bien aimable. On va prendre des thunes avec cette mission de petites photos là, moi je suis refait. Hein. Clac. Si ils sont, c'est bon. Là ils sont. Scott, j'aimerais bien que tu viennes ici pour essayer de prendre tout l'XP que tu peux prendre. Ici les gars. Fallait faire. Jace remonte là-haut, Scott en bas. Jace va chercher des munitions, t'es à sec. Mais non, oui, c'est bon. Bon, c'est le gars sûr. Hein. J'ai loupé une passe pour ça. Hein. J'ai loupé juste une passe parce que vous êtes des blaireaux. Hein. C'est quand même ce qui vient de se passer. Oui, oui, tout à fait. Chasseur quand même dans la zone. Ok, va te faire soigner en Angleterre, on va voir la gueule de leur métro. Ouais, recharge ma gueule. Vas-y, concentration, feu. Ils sont derrière là, normalement ils sont en bon axe, parfait. Ah, tu fais pareil, hein, ils sont en bon axe normalement, toutes les sorties en 2 secondes. Bon, il y en a un qui a fait de la résistance. Hein. Il a fait de la résistance. Tellement les munitions se vider tellement vite. Parce que le pire c'est qu'il a une bonne cadence en plus ce cochon hein, avec sa grosse batasse là. Eh bien retour maison messieurs. Ça recharge, ça va se faire soigner un bobo au doigt. On n'en parle plus. Là on est au-dessus du tartare. Vas-y roule. Et vous trouvez à soigner son bobo au doigt. Et on a traversé dans l'IRTA, c'est incroyable. Mmh.
On est carrément passé au-dessus tellement je suis allé vite. Mais bon, c'est pas grave. Très bien comme ça. Eh bien, je suis très content. Je pense que le secret c'était le canon MK20. Voilà. Je pense que c'était le secret de la réussite. Je ne maîtrisais pas. Maintenant que je le connais, maintenant que nous nous connaissons. Voilà. Ils font de belles aventures ensemble. Parfait. Paf, on est bien. Une tourelle en point 50 qui vient d'être débloquée, intéressant. intéressant. Voyons voir ça. Voyons voir donc cette nouvelle tourelle, admettons. C'est de la point 50 en MK1. C'est pas mal. Ça envoie du steak, hein. Dorsal. Pas du tout. Ouais, mais c'est quand même beaucoup moins puissant. Donc c'est pas très intéressant. Voir, c'est pas intéressant du tout. Hein. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. En vrai, on trouve ça un peu nul. On n'est pas full MK3. On passe en full MK3. En matériel, ouais. Je pense qu'un peu plus de matos, genre la version 1.2 ici là. Avec paf, enfin, ça comme ça et ça comme ça, s'il vous plaît. Ouf, pour des questions visuelles, très bien. Au niveau des systèmes, ici en MK3, on peut passer. Parfait, ça me va. Tout ça, ça me va. Hein. Matériel, on a vu tourelle, on a vu moteur, on a vu fuselage. Bah écoutez, hein, si on a un supplément de pognon, on va peut-être aller visiter mon fuselage. Hein. Après tout, train principal, on est en blindé MK1, milieu, on est en standard. Est-ce qu'on passerait pas en blindé MK3, genre, ce serait de l'abus. Là où il y a écrit bombeur, ce serait bien carré. Pourquoi pas. Et voilà, on part au briefing, et on n'en parle plus. Bon, mission principale. Ah, mission principale. Un pilote de chasse sur mission principale. Ah, ça je préfère. Ça je préfère, une mission qui est déjà à courte portée. Donc si j'ai besoin de faire demi-tour et de me barrer, je le fais. Et je vais pouvoir battre ton as tranquillement avant d'être contraint de faire la mission principale. Bah écoutez, on se fait ça la prochaine fois alors. Hein, on se fait, on s'abat un petit as tranquille. Et dans notre lancée, on se fait le barrage. Sur ce, je vous remercie. C'était Knarfrank sur comme d'habitude Gaming pour Bomber Crew. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.